Et chers amis, nouvel épisode. On a donc terminé l'année numéro 4. On se prépare pour notre cinquième année. Voilà, je vous attendais pour basculer. Tout le monde a fini. Oui, sa journée se repose. Nous, on va aller faire la même chose et on va pouvoir aller se coucher pour passer cette saison et basculer sur la cinquième année. On vérifiera, c'est important, bah, je vous rappelle, on va perdre la quête du héros, hein, forcément, puisqu'on n'a pas honoré la commande du roi, donc on va voir ce qui se passe. Normalement, on a aussi, au-delà de la vente, souvenez-vous, on avait mis deux poules en vente, donc ce qui devrait nous rappeler 400. Donc normalement, voilà, je suis à 5221, vous voyez. Donc on va voir si ça bascule bien et surtout s'il nous arrive quelque chose ou pas. Allez, c'est parti les amis. Surprise, surprise. Non, il se passe rien. Ok, on a les taxes à payer. Alors déjà, bah, on va se déséquiper de nos affaires d'hiver, hein, bien entendu. Et on va récupérer nos petites chaussures dans notre coffre. Voilà, on va poser ça, puis ça. Nickel. On va remettre nos chaussures. Voilà pour ça. Ça c'est bon. Alors, du coup, on va aller voir donc dans le journal. On a dû paumer le défi. Donc c'est là. Ok, donc on a perdu des points normalement de dynastie. J'ai vu, c'était moins 10, moins 10. Donc il y avait deux quêtes. Voilà, le moral va rebaisser, puis souvenez-vous, on avait un boost suite au mariage. Et on a 3135 à payer comme taxe. Beaucoup, beaucoup, hein. Voilà. L'inventaire, alors, oui, on est passé à. Vous voyez, on a bien eu nos 400 de plus. Donc nos poules ont bien été vendues. Ça fonctionne, il n'y a pas de problème. On va gérer tout de suite les champs. Alors, ce que je voulais faire aussi, c'est redéfinir un petit peu. Il est où lui? Ah, il est en, oui, il est en couple avec Gundagun, ouais, forcément. On verra, je vais voir si je redistribue les rôles. Bon, déjà, on va faire les champs. Champ numéro 1. Donc on a déjà tout ça de planté. On va planter de l'avoine. On va mettre ça là. Ok. Je veux de la betterave. Ça c'est plutôt pour la fin. Donc on va en mettre 5. Voilà. Je vais mettre de l'oignon aussi. J'ai pas assez d'engrais. Donc je vais mettre que 4 oignons. Et ça sera bien pour ce champ-là. Le champ numéro 2, nous allons aller mettre du lin. Et là, on va mettre le paquet. On va se mettre 15 lins. Voilà, on a au moins défini ça. Il va nous falloir des travailleurs, bien entendu, à la grange. Normalement, on a déjà du monde, mais il faut déjà la réparer. Oui, endommagé, endommagé. J'aurai quelques réparations à faire. Alors, toi, bah écoute, tu vas rester là. On va mettre un nouveau travailleur avec toi qui a des bonnes compétences. Qui on a Ingolf qui a 3, qui a 3, qui a 3. Allez, on va le mettre avec toi. Pof, et il va venir cultivateur. Parfait, ça c'est bon. On est ok sur sa réaffectation. Les abris à bois. Là, je pense qu'on va peut-être pouvoir sortir du monde. Hein, mais donc, les stockages, on s'en fout. Alors, la chasse. Pavillon de chasse, j'en ai plus qu'un. Alors, couture, endommagée. Il faut bien réparer la couture 1 aussi. Alors, en couture, qui on a? On a cette petite brave dame. Hop, on supprime. On va en remettre une. Couture, qui a des grosses compétences de couture. Oh, un mec. J'ai envie de les faire monter un peu en compétences aussi. Je sais pas si ça va fonctionner, mais
Allez, on va mettre lui. Ah non, c'est pas mieux, hein. Allez, on va la laisser alors. D'ailleurs. Parfait. Alors, par contre, qu'est-ce qu'on produit? Donc, du Crousac, oui. Ah oui, mais j'ai pas de tissu en là. Ah, si on a du tissu en là. On peut augmenter un peu là. Voilà. Tout ce qu'on produit d'ailleurs, hein. Ça suffit. Parfait. Sans la régler, la forge. Qu'est-ce qu'on produit à la forge? Donc, du maillet en bois. Ouais, on va le baisser parce qu'on en a quand même pas mal. La massue. On n'a pas besoin des masses. Couteau, on va laisser à 10. Les ou en pierre, ok. Hache en fer. On va grimper un peu à 10. Des pioches, ça serait bien. Des fossiles. Oui. Je pense qu'on est pas mal là. Alors. On est pas mal aussi ici. J'ai pas regardé qui bossait là. Très bien, travailleur. Allez, on va y mettre Manfred. Parfait. L'atelier, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Du paillon de chasse. Donc les animaux, ça on va les laisser. La grange, on a mis deux personnes. Dans la mine, on a mis deux personnes. Ouais, l'abri à bois, je pense que je vais en virer une. Je pense que j'ai pas besoin de tout ce monde-là. Et on va plutôt aller à la chasse. Donc on va virer Racibor. Tac. On va mettre à la chasse un peu plus de monde. Allez, attribuer un travailleur. Qui nous reste Racibor qui a rien à faire. Hop là. Voilà, donc chasseur. Et on produit quoi? Du cuir, de la fourrure, oui, c'est surtout ça qu'il nous faut. On va même mettre du 50-50, je pense. Ça suffira largement. Voilà. Nickel. Je crois qu'on a fait le tour, abri à bois. Là, c'est personne. Alors, qu'est-ce qu'on produit ici? Peut-être changer, c'était quoi? Du rondin, du bâton, du bois de chauffage. Bon, on va enlever le bâton. On va faire un peu plus de 1. On est pas mal. Voilà. Le deuxième abri à bois, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on produit là? Bâton, bâton, bois de chauffage, planche. Ouais, je vais baisser un peu le bois de chauffage parce que là, j'en ai plus trop besoin pour l'instant. Nickel. Parfait, parfait. Et je pense qu'on est tout bon, hein, on est tout bon. La mine, on va laisser comme ça, hein, ça c'est pas un souci, on ramène du fer. La grange, ouais, pour l'attribution, là on est bien. Alors la carte, donc le héros, ah bah il est parti. Par contre, vous voyez, hop, on a pris du malus là, plus 5%, je sais pas quoi, et 2%, ça doit être parce qu'on n'a pas fait la quête. Est-ce qu'il est ailleurs, ce brave homme? Ah non, il a disparu de la carte. Ah oui, donc c'est peut-être pas tout le temps qu'il est là. Bon, en tout cas, on l'a plus, ça c'est sûr. Bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Le journal, donc, faut qu'on aille payer nos taxes. Donc 3 000 et on a 5 000. Donc ça, c'est pas un souci. Ce sera notre premier travail. Déjà, d'aller payer nos taxes. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal pour cette nouvelle saison qui démarre l'automne. Salut, salut, Manfred, comment vas-tu? Tu vas bien? Parfait. Hop là. Ça a bien poussé là. Donc.
Hop, voilà, de toute façon c'est pas récolté tout de suite, hein. Ah si, c'est peut-être récolté maintenant, je crois. J'ai l'impression, hein, le seigle, ouais. Mes carottes, bah, ça va pousser. Bon bah on est bien là pour cette nouveau démarrage. Alors, l'engrais, ouais, j'ai du mal à produire mon engrais. J'ai un seul cochon, donc je vais aussi aller acheter un cochon. Mais quand on aura payé les taxes, à mon avis, je n'aurai plus assez. Voilà. Et puis surtout, on a des réparations à faire. Donc je vais aller faire mes réparations, hein, tranquillement, je ne vais pas vous embêter avec ça. Et puis bah je vais aller payer mes taxes. Et puis bah je vous reprends, voilà, dès qu'il y a des choses un petit peu intéressantes au village ou pour nous. Vous connaissez le principe. Bon, les amis, je suis à Gostovia. Je viens de payer mes taxes. Ça pique un peu, hein, puisqu'il me reste que 2400. Pas non plus pleurer, mais bon, quand même. Et du coup, notre ami, je dis notre ami, je suis pas certain que ce soit bien notre ami, hein. Et ben, il faut qu'on bosse un peu pour lui. Vous voyez, je l'ai mis en suivi de quête. Il me demande d'aller parler à Carolina, à Irmina et à Théobald dans les différents villages de la région, grosso modo, pour dire aux gens qu'il faut payer. Donc, je crois que ça doit être là, là et là. Donc il faut qu'on aille à Ornica, il va falloir qu'on aille à Lenica et Rolnica. Alors je sais pas dans quel sens je vais faire ma tournée, les amis. Je ne sais pas trop. Je peux peut-être commencer par là. Paf, 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 paf. Aller voir où. À la rigueur. Tac, 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 tac. Ouais, je crois qu'on va faire ça. Voilà, et puis bah peut-être qu'ici on devrait aller. Alors là j'ai pas besoin d'y aller, mais bon je peux quand même passer par là. Tant pis, je fais un petit tour au village, voir ce qui s'y passe, passer de l'autre côté ou pas, je sais pas trop en fait, je sais pas trop. Ou alors est-ce que je vais d'abord là, ensuite on file là. Je sais pas, je vais m'arranger, mais bon voilà, c'est, je voulais vous faire voir, petite. Nouvelle histoire, mission, jour qui nous confie Unighost. Donc ben, on va s'attacher à réaliser ceci. Donc voilà les amis, hein, vous avez pris l'habitude, hein, je vais dire bonjour à mes beaux-parents là-bas, je vous en fais toujours cadeau, hein, vous avez quand même de la chance, mine de rien quand même, hein, je veux pas le dire. Hein. Allez, on arrive. Première visite à notre premier village. J'en ai profité pour prendre un petit peu quelques ustensiles. Hop, tiens, qu'on va vendre à cette charmante dame. Puisque on va en profiter. Voilà, on va un petit peu tout ce que j'ai amené. Les chaussures, oui, je peux les vendre. Le cuir, je te le vends. C'est toutes mes gants que j'ai pas posées. Pas grave, on en refera. Hop, et les sacs. Voilà. C'est pas mal la paille. Oh, bah, j'aurais pu poser mes bâtons, ma paille, j'ai oublié aussi. Qu'est-ce qu'on a besoin d'engrais? Je vais en prendre un petit peu quand même. J'en prends au moins 10. Parce que c'est vraiment un truc que je vais avoir du mal à produire pour l'instant. Je ne sais pas trop la quantité que je suis capable de faire à l'année. Mais on va le savoir tout de suite. Parce que puisqu'on est là, on va en profiter, les amis. Pas de raison. On va se prendre une petite femelle. Non, ça, c'est un mâle. Voilà. Hop, j'achète. Porcherie. Oui, tu y vas. On va t'occuper. Ah, tu vois, il y a déjà du monde. Hop, voilà. Géré. Parfait. Nickel. Et puis donc, on se doit d'aller parler à la dadame. Qui est là, c'est elle ou pas? Eh ben oui. Bonjour, vous êtes Hermina. Ngus m'envoie pour payer les taxes, mais je devrais peut-être parler à votre père. Ok. Non, il avait raison, je m'occupe bien de ça dans notre famille. Vous voyez, mon père oublierait probablement qu'il a à payer. Et nous nous retrouvons une double imposition. Ok. Ah, ok. Elle s'occupe de son père et elle a dit non, je m'occupe de la réserve qui devrait. Qu'est-ce qui se passe? Je te parle juste, vous avez du poulet. Mais pas des pièces. Comment ça?
Laissez-moi deviner, vous ne pouvez pas payer maintenant. Ou mieux, vous ne voulez pas, d'accord. Et les porcs, savez-vous que les porcs sont presque aussi intelligents que les humains? Ok, eh bien, vous êtes au moins aussi intelligente que mes cochons. Merci, t'es sympa. Je vais payer, mais nous avons d'abord besoin de votre aide. Oh là là, il y a un loup solitaire à l'ouest, dans les montagnes. Il a peut-être été tué par une flèche dans le passé. Tatati, tatata, tatata. Ok, donc c'est super. Donc, ça va pas être si simple de récupérer les taxes. Donc, il faut d'abord que je chasse le loup. D'accord. Ah bah écoutez, c'est pas mal, hein, on va faire ça. Donc bah vous le saurez, hein, c'est pas si simple. Donc il faut que je trouve un loup. À l'ouest, c'est ce qu'elle m'a dit, là. Au nord, à l'est, à l'ouest. Donc par là-bas, il faut que je trouve un loup. Bah on va essayer de trouver le loup. Bon bah les amis, je vais essayer de trouver le loup, puis faire cette quête et revenir, hein, ma foi. Et puis on passera au village suivant, je pense que ça va être le même topo à chaque fois. Allez, c'est parti. Allez, on récupère la nouvelle quête. Je sais pas si vous allez bien voir avec Théobald. Voilà, tac. Oui, forcément. Allez, il y a un truc à récupérer. On va aller voir. Donc, j'ai validé aussi la quête de Rolnica. Hein. J'ai tué le loup, hein, pas de souci. Ensuite, lui, il veut quoi ? Il faut parler à Gisela. Qui c'est ça, Gisela? Gisela, allez, Gisela, allez là-bas. Bon, bah allez, on va s'y rendre, il fait nuit. Allez, je valide tout ça, et puis bah, on continuera. Hein, voilà, voilà, je voulais vous faire voir la suite. Voilà, c'est la nuit, hein, c'est la nuit, on se balade de nuit. Il y a des gens là, oui, bonjour, bonjour. Bon, bah allez. Hein. On continue nos explorations. Allez, je suis à Ornica, on va aller chercher la dernière quête pour Unighost, voir ce qu'il veut. J'ai pas fini la deuxième parce qu'on me demande 3 flèches en fer, j'en avais 2 sur moi, donc du coup ça a pas fonctionné. C'est là-dedans, c'est elle. Ouais. Alors, le neveu d'Orléans est maintenant bras droit officiel de Castellan. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour ça? Donc, en ce qui concerne les taxes. Tac. Ce que je pense, chaque année plus tôt, chaque année. Ah oui, c'est forcément. Si on lui donne de l'argent, il fait fortune. Ah là là, 2 tiniques ordinaires. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle me demande, cette brave dame? Donc, elle veut. Livrer à Dagobert 2 tuniques ordinaires et 2 maillets de fer. Bah, il va falloir des maillets de fer. Cool. C'est encore un mot de fournir. Et Dagobert, il est où? Il est Dagobert, Dagobert, le roi Dagobert. On imagine qu'il est là. À moins que ce soit là-bas. Bah, à mon avis, c'est là-bas. Donc faut que j'aille à Denica, donc bah du coup je vais rentrer au village, hein, je vais récupérer mes maillets de fer, je vais aller voir un petit peu comment ça bosse, parce que j'ai quand même des doutes, et puis j'essaierai de valider tout ça. Donc voilà, hein, je vous reprends ce qu'on a terminé, cette quête pour Unighost. Allez, on a terminé les amis de collecter les taxes pour Unighost. On a fait son sale boulot. Hein. J'espère que les gens ne vont pas nous en vouloir. Et maintenant, il faut qu'on trouve. Et ben monsieur Unighost pour lui payer et lui donner ses sous. Il est là, il est là, il est là. Hello, hello. Tiens, je t'amène tes éléments. Allez, hop. Splendide, vous êtes un véritable ami et aussi fiable que l'était votre oncle. Ouais, je sais bien, je sais bien. Je ne sais pas si c'est bien une bonne chose. Voilà, voilà, c'était bon. Qu'est-ce que j'ai pris? 200 points et 97 pièces. Attendez-vous, vous n'avez pas apporté l'argent au seigneur. Exactement, c'est génial, quelqu'un qui veut. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il complote? Eh bien, pas exactement. Vous voyez, il y a certains avantages à être Castellan. Ouais, mais c'est pas juste.
Bah oui, c'est pas juste, mon ami. C'était pas cool, ça. Ce monsieur. Bon, du coup, pour l'instant, attendre les autres événements. Récompense une arbalète. Oui, bah... Il m'a une arbalète, je pense pas, là. Bon, ah bah écoutez, hein, on a fait son sale boulot, comme je le disais. On va pouvoir se concentrer à nos tâches. Bon, c'est vrai qu'on a pas grand-chose à faire, si ce n'est aller faire quelques petites quêtes, monter les compétences là-dessus. Et puis voilà, hein, de toute façon, le héros n'est plus là, donc... On va voir si ça bosse bien, j'ai l'impression que ça a bossé un petit peu plus dans les champs, donc ça c'est une bonne nouvelle. On va quand même être vigilant quand même, hein. C'est pas tout ça, mais il faudrait pas qu'on ne soit pas là, qu'il fasse la fête, hein, que ça danse sur les bancs ou à la taverne, c'est quand même pas très sympathique. Bon, allez, go. Oui, je sais, il y a mes beaux-parents, mais non, je vais pas leur dire bonjour aujourd'hui, tant pis pour eux, hein, on fait comme si j'étais pas venu. Allez, on se retrouve plus tard. Allez, de retour, les amis. Simplement pour faire voir, regardez bien en haut à gauche, ça y est, j'ai basculé sur la version 3.0.1.4. Ça vient de se faire pour moi, donc quelques modifs effectivement. Donc on sait, hein, donc les ouvriers ont besoin de tous les outils. Alors moi ça s'est pas trop mal passé, j'avais préparé, donc ils ont bien pu bosser, les chances à fonctionner, etc. La forge, il faudra quand même que je vérifie l'usure, je pense, de ces choses. Voilà, donc ça c'est important. Des modifs aussi dans les menus. Alors, je ne l'ai pas fait, j'en ai laissé une, mais en fait, ça m'a réinitialisé toutes mes compétences, il a fallu tout que je remette. Donc, vous voyez là, eh ben, il faut que je remette mes, alors j'en avais pas beaucoup, hein, mes deux points que j'avais dans ma compétence agricole. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas trop ce que ça fait, on va rester là-dessus. Voilà. Donc j'étais obligé de refaire la même chose pour les 6 compétences, mais bon, voilà, ça vous permet de dispatcher, c'est gratos, si j'ose dire. Que dire plus? Des changements, oui, dans les traductions, voilà, c'est pas encore, ça a l'air d'être un petit peu plus propre dans certains cas, oui, là on avait gestion, maintenant c'est management, ça a l'air plus propre aussi, des noms un peu différents, oui, on est devenu travailleur agricole, et non plus cultivateur, voilà, des modifs de traduction. Dans l'absolu, voilà, donc voilà les changements pour l'instant avec cette version. Alors, surtout, on a dit, hein, les outils, tout ce qui va bien. J'ai vu aussi que la nourriture pour animaux se consommait maintenant, donc il va falloir que je sois vigilant aussi sur ça. En fabriquer aussi, peut-être, hein, mais on va regarder tout ça. Que vous dire de plus pour l'instant? Eh ben, sachez aussi que j'ai décidé de faire honneur un peu à mon statut. J'ai construit une nouvelle maison, mais une plus grande, vous voyez, alors elle n'est pas finie d'être isolée. Je prévois de m'y installer avec ma petite femme et mon petit héritier, ce qui libérera une maison pour pouvoir recruter, pourquoi pas. Voilà, j'ai préparé aussi, je ne sais pas si je vais pas en faire d'autres, hein, mais parce que je commence peut-être à manquer de bras avec cette histoire de gamin. on pleurait qu'on n'en avait pas, mais non, c'est tout. Je vais peut-être refaire des maisons là tout le long, là peut-être une, deux, trois, voilà, ce qui me permettra d'augmenter. Alors, je mettrai qu'une seule personne, sans pas forcément former des couples tout de suite, je vais voir. Donc voilà, un petit peu les nouvelles pour l'instant, chers amis du village. Allez les amis, je vous reprends et je vais parler doucement. Le village est endormi et j'ai décidé un petit peu de vous expliquer les changements qu'il y a eu. Alors quand je dis qu'il y a eu, bah oui, on a passé la version 3.0.3.1.4. Non, ça m'a, je vous ai déjà donné quelques explications, mais j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin pour que vous compreniez un petit peu plus. C'était surtout pour ceux qui se lancent dans le jeu, il y a pas mal de modifs. Alors, il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. On va essayer un petit peu de faire le tri, tout doucement. Faut pas que les villageois les entendent, parce que déjà que parfois on a des mouvements de rébellion, donc ça, c'est pas terrible. Alors, moi je vais commencer
par les bonnes nouvelles. Alors, il y aura les deux, vous inquiétez pas, de la bonne et de la mauvaise. Bonne nouvelle. Alors, une nouvelle, bon, qui est assez spécifique. Je vais aller ici dans mon stockage. Alors, je sais, on ne voit pas grand-chose, mais on va passer dans les coffres. Voilà. Ils ont pensé à nous pour des vieux comme moi, pour éviter d'avoir des TMS au doigt à force d'appuyer sur toutes les touches. Ils ont simplifié un petit peu la vie. Puisque vous voyez, lorsque j'avais besoin de transférer bah, ces marteaux, bah ouais, c'était F plus la touche que vous avez sélectionnée pour prendre la grosse quantité, il fallait appuyer sur F, voilà. Et bah maintenant, vous pouvez le faire en une seule fois, vous voyez, avec l'appui long sur F, et vous créez une pile de transfert, c'est-à-dire que les 8 maillets vont passer d'un côté ou de l'autre côté. Donc, bah, c'est pas mal hein, pour les vieux comme moi, hein, on aura moins d'arthrose, donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Toujours au niveau de ces coffres, c'est pas forcément bonne nouvelle non plus, c'est qu'a priori, tous les objets ont été revus, enfin, ou les ressources en termes de poids. Alors, très honnêtement, bah, moi, j'ai pas de souvenir de ce que je pouvais. Enfin, combien pesait un cuir par exemple, je sais qu'à un moment donné, ouais, je pouvais prendre 24 planches, j'étais pas embêté. Peut-être que maintenant, ben, je n'ai pas refait le test, ce sera un petit peu l'idée. Donc voilà, sachez que tout a été revu dans les poids, au niveau des ressources, des objets, etc. etc. La capacité aussi des coffres parfois était dépassée, justement à cause de cette mise à jour. Donc soyez vigilant, faites un tour de vos coffres, voir si vous n'avez pas de soucis. Et vous avez un coffre un peu particulier qui va être le coffre de Lagrange, qui lui en fait son niveau est lié en fait au niveau de Lagrange. Hein. Vous savez, on a Lagrange niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc sa capacité en fait elle est liée à ce niveau-là, hein, au niveau de la capacité du coffre. Donc voilà, jetez un petit coup d'œil à tout ça. Voilà, que vous soyez pas embêté, que vous soyez pas en surcapacité, qu'il ne puisse pas stocker, etc., etc. Donc voilà, du bon et du moins bon, on va dire, sur ces changements-là. Alors, je vous fais grâce aussi beaucoup de petites modifs. Alors, des bugs bien sûr corrigés, comme d'habitude, hein, on a fixé des trucs. Beaucoup de nouveaux sons à gauche ou à droite, mais ça, vous allez les découvrir par vous-même. Moi, le premier, je me suis fait avoir parfois, j'avais pas reconnu un son, puis paf, je me suis fait croquer les miches. Hein, donc soyez vigilants dans certains cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Alors ce qui est bien, ils ont bossé pas mal sur l'agriculture. Alors ça, l'agriculture, c'est sympa. A priori, vous ne perdez pas ce que vous faites entre les saisons. C'est vrai que souvent, bah voilà, si vous aviez passé de l'engrais à une saison, dès que la saison changeait, bah, vous pommiez ce qu'il y avait sur le champ. A priori, ça s'est corrigé. Donc pourrait très bien, vous voyez, comme pardon, surtout l'hiver où il n'y a pas forcément grand-chose à faire dans les champs, et ben vous pourrez les préparer, si vous avez des gros champs, etc., pour mettre de l'engrais, pour les travailler en préparation pour le printemps. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc normalement ça s'est bien corrigé. Quand vous changez vos productions aussi, même en cours de journée, bah, a priori les ouvriers en tiennent bien compte. Donc ça, bah, c'est plutôt bonne nouvelle au niveau de ces champs. Voilà, bien parce que bah, si c'était souvent un souci de bug, hein, voilà, au moment donné, vous étiez obligé de le faire vous-même. Donc ça, c'était un petit peu galère, fallait surveiller. Là, on peut être un peu moins a priori attentif. Bon, ça n'empêche pas que, pour ça que je vous fais la vidéo de nuit, je vais quand même les surveiller de près avec tous ces changements. Voilà, que je ne me fasse pas avoir, bien entendu. Que vous dire d'autre? Alors, on va rester un petit peu sur. Alors, je ne sais pas si c'est des bonnes nouvelles, mais sachez aussi que la roue a bougé un petit peu ici. Voilà, ça a été a priori réorganisé. Voilà, une autre bonne nouvelle, c'est que pour faire des clôtures, vous n'avez plus besoin d'avoir des bâtons en stock. Vous allez faire des repères et puis bah, après vous irez chercher vos ressources et vous pourrez la faire. Il n'y a pas besoin de bâtons sur soi pour faire la clôture. Mais voilà, ils ont réorganisé a priori de manière plus rationnelle, intelligente, enfin peu importe, cette roue de fabrication. Vigilance aussi sur votre maillet. Voilà, on pouvait sélectionner les modes de construction. Alors, moi j'ai pas de souci dans le sens où vous voyez, j'ai amélioré et j'ai rétrogradé. Mais vous risquez de peut-être pas les avoir, vous. Pourquoi? Parce que, comme j'ai refait mes arbres de compétences, hein, souvenez-vous, j'expliquais que tout était remis à zéro.
Et ben, moi j'ai remis Homme à tout faire qui permet l'amélioration et la rétrogradation des modules de maison. Si vous ne le mettez pas, vous ne pourrez pas améliorer, vous ne pourrez pas rétrograder, etc. Donc pensez-y bien, ça aussi, c'est pas mal, d'accord. Et puis, ça a aussi un petit avantage, je vais vous faire tout de suite dans le menu. Imaginons, bah tiens, je veux faire une clôture, vous voyez, ici la clôture, bah moi je ne l'ai pas, vous voyez, elle est verrouillée, il y a le petit cadenas bleu. Mais regardez bien, si j'appuie sur R, je peux acheter le blanc directement, donc voilà, manip, j'ai pas besoin de ressortir, etc., etc. Donc là, encore une fois, monsieur développeur, merci pour les vieux, comme moi. Ça, c'est très, 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 très bien, là-dessus, sur cette petite modif. Que vous dire d'autre encore, parce qu'il y a de quoi faire, hein. Alors, il y a des petits changements vraiment basiques, hein. Alors, du style, ouais, je vais aller sur la carte. En fait, je suis centré sur la carte. Et ben, si je me déplace, prenant X ou Y, ben, je peux me recentrer tout seul. Ouais. J'appuie sur C, pof, ça revient là où je suis. Et en fait, c'est toujours centré à l'endroit où vous êtes. C'est-à-dire que si ben, j'ouvre ma carte et que je suis là, ben, je serai centré là directement. J'ai pas besoin de faire encore une manip. Allez, je sais, vous avez pris la bulle. Encore merci, messieurs les développeurs, pour mon arthrose. C'est pas mal. Donc, il y a quand même pas mal de petites choses. Mince, qu'est-ce que je fais? Je vais trop vite. Voilà. Là-dessus, donc ça c'est très bien, ça c'est des bonnes nouvelles. Vous avez aussi des petites infos sur vos objets. Vous voyez, hop, ils apparaissent en rouge. Voilà, dès qu'ils arrivent à 20%, ils apparaissent en rouge pour que ça vous saute à l'œil. Ah bah oui, on est vieux, il n'y en a pas que de l'arthrose, hein. Comme moi on est de mauvaise vue, donc au moins ça attire l'œil sur les objets qu'il faut faire peut-être changer. Voilà, vous savez, ils sont en bout de vie, etc. Ça peut vous donner pas mal d'indications aussi. Donc ça c'est quand même très sympa. Voilà, je vais faire tout de suite un essai avec vous, puisque oui, j'ai récupéré des éléments, je suis au stockage, hop, je fais l'essai, tac, je viens là, mes haches, alors là je vais faire du F, c'est tranquille, j'en ai qu'une. Voilà, prenons l'exemple, bah c'est quoi par exemple, oui, du fumier, j'en ai deux, donc je fais F, appui long, pof, nourriture pour animaux, hop, appui long, et ça passe tout d'un côté à l'autre. Donc oui, c'est quand même super pratique de ce côté-là. Vous verrez aussi que dans les fabrications, si on vous en donne le temps. Alors, je ne sais pas si je peux le faire là. Tac, vous voyez, j'ai envie de fabriquer des trucs. Vous voyez, j'ai envie de fabriquer un maillet. Vous le voyez, maillet, c'est marqué côté 3 secondes. Donc, je sais que ça va me prendre 3 secondes. Alors, l'intérêt, bah, c'est juste pour vous faire comprendre que ça peut être long. Et c'est vrai que pour ceux qui ont fait de la bouffe parfois, qui nourrissent le village la nuit, c'est parfois très long. Donc, au pire, bah voilà. Ça vous fait encore des méthodes de calcul pour faire travailler le cerveau, encore une fois, pour les vieux comme moi. Pourquoi pas dire, ouais, tiens, j'en fais 100, donc j'ai 300 secondes, donc t'as le temps d'aller boire un café, hein, prendre une bière, aller aux toilettes, tout va bien, donc c'est bien, ils ont pensé à tout ça. Donc voilà, ça c'est à peu près les choses, enfin à peu près les choses, peut-être les bonnes nouvelles malgré tout, d'accord. Et puis ben là, maintenant, on va passer aux mauvaises nouvelles. Bon, on va pas être alarmiste. Alors, première chose, au niveau des bâtiments. Alors, vous, alors si je vais sur les bâtiments, vous allez le voir, bon, il peut y avoir un gros changement, tatata, mais surtout, important, regardez, au niveau des stockages. Bof. Alors là, mystère. Plus de possibilité de mettre des travailleurs. Alors, je sais pas pourquoi. Donc c'est-à-dire que le bâtiment ne sera pas utilisé pour l'instant. Voilà, on a eu beaucoup d'espoir de se dire, putain, il y a des mecs qui vont vendre à notre place. Voilà, c'est vrai qu'on s'était dit à un moment donné qu'on ferait pas grand chose, mis à part de la gestion. Bon, bah ça a priori ça a disparu. Je sais pas, peut-être que ça reviendra pour autre chose, j'ai aucune idée. Voilà, mais c'est vrai que bah, l'idée de mettre des mecs pour qu'ils aillent vendre des choses ou quoi que ce soit, ça s'est rétamé aujourd'hui. Donc ça c'est clair, et ben il faudra pas compter sur d'autres personnes que vous. Tout simplement, ben, ce sera à vous de faire ça. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors, ouais, un truc qui va faire mal, alors, aussi bien aux gens qui débutent, mais aussi aux gens comme moi qui jouent depuis un petit moment maintenant, c'est qu'il faut savoir aussi que eh ben, les ressources basiques, alors enfin les ressources, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais ne se vendent plus. Alors du style, qui a pas ramassé des pépins mûrs, des baies, des bâtons, les revendait. Alors c'est pas grand chose, c'était qu'une pièce. Mais bon, quand vous pointiez avec 300, 400, 600 baies, ben, ça faisait quand même
de la petite pièce qui était très sympathique et qui venait monter notre pécule de pièces. Donc ça, et ben a priori c'est fini. Ça veut dire que ben, il va falloir vraiment transformer les objets pour aller les vendre, sinon ben, on ne pourrait pas trop les vendre directement. Voilà, alors j'ai pas encore fait l'essai, je suis allé rien vendre pour l'instant, donc je verrai si c'est bien le cas ou pas. Mais bon, c'est un petit peu dommage. Un petit peu dommage en principe. Alors je sais pas si ça concerne tout. Bah oui, les champignons, hein, vous pouvez ramasser plein de champignons, les revendre, certains. Voilà, ça fonctionne aussi le plantain, le millepuis, là, tout ça, enfin les plants, enfin. Bon, bah c'est dommage, hein, parfois, bah, même le plantain, hein, c'était deux pièces, hein, bah tu pars avec 200 plantains, bah t'as 400 pièces. Donc bah mes amis, il va falloir faire une gestion commerciale un petit peu plus rigoureuse, et une gestion surtout de vos ressources. Ça, c'est clair, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ah oui, on va repartir sur l'onglet ici, et on va parler de nos amis les villageois. Pas trop fort, je vous le dis, ils dorment, ils dorment. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus? Alors, je vous l'ai dit, on a changé un peu les noms, tout ça, bon, ça se patria, mais surtout, eh ben, on va prendre surtout les enfants. Oui, par exemple, celui-là, là. Alors, on va afficher son détail, d'accord, qui est le fils de mon ami Manfred, un des premiers recrutés, je crois, dans notre village, et de Louis de Bica. Qui ont matché un petit peu, hein. Bon, j'ai beaucoup galéré pour faire matcher, mais ça fonctionne, ça a fonctionné, c'est leur fils. Et ben voilà, il est content, il a un an. Et ben sachez que ce fils, vous n'êtes pas sûr qu'il reste dans votre village à terme. Voilà, tout le monde se dit, bah, faire des gosses, on aura plein de manœuvres, ça coûte pas cher, entre guillemets, et ben c'est pas forcément gagné. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il ne resterait pas? Ben en fait, c'est tout simplement si les parents meurent. Et je pense, s'il meurt avant sa majorité, où là, il sera effectivement adulte, donc il aura pris peut-être son envol, ou alors il faudra le foutre dans une autre maison. Mais en tout cas, si ses parents meurent, eh ben, il risque de se barrer. Donc ça, c'est pas forcément aussi une bonne nouvelle au niveau des gosses qu'il y a dans votre village. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi? Ah oui, une autre modif. Allez, je vais aller vous faire voir. On va se diriger doucement. Je vais pas courir parce que vous avez vu, il y a notre ami Bibos là qui fait une tournée. Voilà. Ah, je parle doucement, doucement. Je vais aller en cuisine et vous faire voir ce qui se passe. Bah, jusqu'à présent, souvent c'est moi qui faisais la cuisine. J'étais content, j'étais un bon cuistot. Et puis. Eh ben, je suis toujours un bon cuistot, mais j'ai besoin des bons trucs. Et là, attention les amis, des grosses modifs. Déjà sur les quantités. Allez, par exemple, potage, je sais pas si vous vous souvenez, un chou, une viande. On l'a dit, hein, le chou, c'est la vie. Eh ben, le chou, c'est maintenant moitié moins la vie. Et parce que pour faire un potage, vous voyez, il nous faut deux choux, trois viandes. Et nouveauté, maintenant il nous faut le contenant. Et là il me faut un bol en bois. Et dans certains cas, il va me falloir, je sais plus où c'est que c'est, par exemple ici, non c'est celui-là, une assiette. C'est plus un bol, c'est une assiette. Donc ça veut dire qu'il va falloir vous penser à fabriquer des contenants. Sachant que les contenants, normalement, ils ont droit à 10 utilisations. Ça veut dire que voilà, bah, si je fais un potage, je peux faire 10 potages dans le même bol, il est réutilisable, puis à un moment donné, c'est poubelle aussi. Donc voilà, ça, il faut y penser aussi dans votre gestion. Alors, je pense qu'un peu comme beaucoup, c'est peut-être vous qui cuisinez à la place des gens, parce que faire cuisiner les gens dans la taverne, c'est pas très efficace. Enfin, du moins, c'est ce que je constate pour l'instant. Je veux pas dire qu'il y a encore un mouvement de grève comme dans les champs, mais c'est presque ça. C'était quand même mieux quand on le faisait nous-mêmes. Donc voilà, attention, vérifiez bien tout ça. Quels sont les contenants? Qu'est-ce que vous avez besoin pour ne pas vous faire avoir? Ça, c'est clair et net, hein. Donc voilà, donc ça, c'est pas un petit changement, hein, mine de rien, un petit peu plus de ressources. Hein, moi, je vous ai fait le cas du potage, je vous ai beaucoup des potages. Qu'est-ce que je vous ai d'autre aussi? Alors, ça sent bien de salé, mais du ragoût, oui. Alors avant, c'était trois carottes, une viande. Mais non, vous voyez, c'est deux carottes, deux viandes. Le ragoût, je me souviens plus, de carottes, de viande salée, ok. La betterave, je crois que c'était ça, ou c'était une betterave, une viande, je sais plus, oui. Ah bon, ouais, des gros changements quand même. Donc, vigilance à vous,
quand même, ça demande un petit peu plus de ressources. Voilà, sachez aussi que pour la bouffe, voilà, moi je les mets dans le stockage de nourriture. Je vais vous faire voir, je vais aller un petit peu vite. Hop, la personne est réveillée, on va en profiter. On part de nuit, tranquillou, ensemble. Voilà, sachez aussi que voilà, la bouffe, moi je me suis aperçu de ça. Alors ça c'est pas de mise à jour, hein, mais voilà, c'est une petite info. En fait, moi je me posais la question, pourquoi ils mangent la viande, pourquoi ils mangent les potages, patati patata. En fait, la règle que j'ai constatée, je sais pas si elle est vraie, c'est que tout simplement, ils mangent les plats qui nourrissent le plus. Donc vous voyez, là j'ai de la viande en sauce à 30, donc ils vont forcément prendre cette viande en sauce. Puis si j'ai plus de viande en sauce, bah forcément après ils prendront les autres éléments. Vous voyez là, c'est deux nourritures, et l'œuf c'est 5. Donc ça veut dire qu'ils vont d'abord manger les œufs avant la viande. C'est cette logique que moi j'ai constatée hein, au niveau du jeu. Voilà, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre alors, un truc un peu spécifique aussi. Ben, les amis, c'est les animaux. Alors, je vais en reparler plus tard, je vais passer de parler d'un autre truc. Alors, j'en ai parlé, je crois, lors de ma dernière intervention, les outils. Je vous ai dit, ouais, j'ai pas eu trop de problèmes, moi j'ai mis un petit peu des outils de partout, donc ça, effectivement, c'est bien confirmé. Il faut bien tous les outils pour que les mecs, ils bossent, sinon ils ne bossent pas. Alors, normalement, le jeu doit vous le dire, il manque ci, il manque ça, etc. Alors, vous avez plusieurs solutions. Moi, j'avais mis dans chaque cabane les outils. Donc je me suis dit on va faire comme ça, il n'y a pas de risque. Et effectivement, il n'y a pas de risque, hein, ça fonctionne. Il faut juste savoir quels sont les outils qu'on met au bon endroit dans les bonnes cabanes. Effectivement, dans un abri à bois, on met les haches, ça c'est clair. Mais normalement, il nous faut aussi un marteau pour faire des planches. Donc si vous oubliez le marteau, ben, ça ne marche pas et ça risque d'être coincé et vice versa. Donc comme moi je savais pas trop ce qu'il y allait avoir dans les bâtiments, ben, sachez que vous avez une autre solution, et c'est celle que moi j'ai adoptée pour l'instant, qui me paraît la plus simple. C'est qu'en fait, dans votre stockage de ressources, et ben, vous mettez tout. Et en fait, les ouvriers viendront chercher ici ce dont ils auront besoin. Donc dès l'instant où c'est en stock ici, vous n'avez pas besoin de les mettre dans les coffres sur place. Ça vous évite aussi des allers-retours parce que bah, moi les bâtiments, voilà, style la mine, c'est super loin. Donc je me suis dit, putain, faut que j'amène les pioches, etc. etc. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Vous pouvez tout centraliser dans ce truc à ressources aussi. Important à dire aussi par rapport aux outils. Alors je vais aller dans un bâtiment. Alors on va prendre un exemple. Je sais pas, on va prendre l'abri à bois, vous voyez. Toc, toc, toc. On va aller dans le détail. Donc jusque là, bon, mon gars il est là, il bosse, parfait, il bosse, mais surtout, ben vous voyez, il fait des rondins. Donc on me dit bien que pour faire des rondins, il faut une hache. Pour faire des bâtons, a priori, j'ai pas besoin d'outils. Pour faire du bois de chauffage, il me faut des haches et un rondin. D'accord. Et pour faire des planches, il faut une hache et un rondin. Donc vous voyez, je disais un marteau, j'ai dit une connerie. Voilà. Donc vous voyez, en fait, il faut qu'une hache dans le bâtiment là. Par contre, sachez aussi que eh ben, les outils que vous allez fournir à vos gens, eh ben, ils vont aussi s'user. Donc normalement, vous avez l'indication. Vous voyez, quand il va faire un rondin, ben, ça me dit que ma hache va perdre tout simplement 5 PV. Alors après, ben, je ne sais pas une hache combien elle a de points de PV. Je ne sais pas si c'est marqué quelque part. Ou si, voilà, vous voyez, outils, dans l'information, ben, une hache, ça a 300 points de vie. Donc en fonction de ce que vous allez lui faire fabriquer, ben, il va user plus ou moins rapidement des haches. Là, ce que je ne sais pas non plus, c'est sa logique à lui. C'est-à-dire que moi, dans mes coffres, bah, j'ai des haches en fer et j'ai des haches en pierre. Techniquement, je ne sais pas s'il va favoriser une hache en fer ou une hache en pierre. Ça, je verrai avec le temps. J'aurais tendance à dire qu'il va plutôt prendre le meilleur outil pour être le plus efficace, mais j'en suis pas certain. Il faudra qu'on le vérifie un petit peu avec le temps. Et ça, c'est valable pour tous les bâtiments. Donc là, moi, je l'ai fait sur le bois. Si on va, par exemple, sur l'excavation, d'accord, là qui me sert. Alors, donc on me dit bien qu'il faut une pelle, enfin une pioche, et il me faut aussi une pelle. Alors, ça dépend ce que vous faites. Vous voyez, hop, je vais dans le détail. Bah, pour faire des pierres, il me faut a priori rien. On les ramasse par terre. Le calcaire, bah, il me faut une pioche. Pour le sel, il me faut une pioche. Et pour l'argile, il faut une pelle. Voilà, et c'est écrit en rouge. Ce qui veut dire que, a priori, je n'ai pas de pelle dans mon stockage. Ça me paraît bizarre, il me semble que j'en avais. Mais bon, on verra. Ouais, ça vous donne pas mal d'informations là-dessus. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? La mine, bon, ça va être la même chose. La grand chien, hop, nos agriculteurs, ils ont besoin de quoi?
Donc on nous dit qu'il nous faut quoi? Bah là, on n'a pas d'information. Tiens, hop, je viens là. Pour faire de l'engrais, on me dit qu'il faut du fumier. D'accord. Pour faire des graines, j'ai besoin de rien. Donc oui, on n'a pas d'information parce que là, on est sur la fabrication. Effectivement, de ressources qu'on transforme, etc. etc. Mais j'ai pas l'info, a priori, sur bah, mon gars qui va bosser dans les champs, ce qu'il a besoin. Bon, forcément, il a besoin d'une faux, il a besoin, je pense, de sacs, il a besoin d'une faucille, etc. etc. Donc voilà, donc on va retrouver normalement sur vous voyez, chaque bâtiment, pavillon de chasse, c'est pareil. Hein, si j'y vais, hop, le chasseur, on me dit qu'il a besoin d'un couteau qui a 50 PV. Et a priori, il a besoin que de ça. Voilà, couteau, là j'ai besoin de couteau, voilà, j'ai pas besoin. À un moment donné, moi j'avais mis des lances, ah si, voilà, rien du tout, oui, hop, j'ai pas besoin de choses spécifiques. Voilà, je pensais qu'il fallait mettre des lances, moi, des arcs, bah non, c'est pas le cas. Donc tant mieux, pas besoin d'en fabriquer des tonnes et des tonnes. Donc voilà, ouais, ça c'est quand même un truc super important, hein, cette modif. Donc soyez vigilants, refaites les tours, faites-vous pas avoir, sachant que normalement, sachez aussi, je vous ai dit, vous voyez, ça s'écrit en rouge, mais normalement, en haut là, en haut à gauche, c'est un peu, vous souvenez, quand vous recrutez quelqu'un là, vous avez une petite maison qui vous dit, voilà, et putain, il est sans abri, etc. Bah, normalement, ça va faire la même chose, je crois. Il y a des petits messages d'alerte où on va vous dire, il n'y a plus de bouffe, il n'y a plus de suie, il n'y a plus d'outils, etc. Ou alors, il faudra quand même bien vérifier de temps en temps là-dessus. Moi, je pars du principe, hein, voilà, tous les matins. Dans le village, on fait un petit tour, vous regardez vos menus à gauche, à droite, voir ce qui est prévu, ce qui n'est pas prévu, s'il y a des gens qui manquent de quelque chose pour faire un petit peu le pompier de service, le cas échéant, c'est pas mal. Voilà. Et qu'est-ce qui nous reste à vous dire? Eh bien, une chose importante, eh ben, c'est les animaux. Eh bien, forcément, les animaux aujourd'hui, ils ont besoin de nourriture, voilà, jusqu'à présent on était tranquille, et ben là c'est pareil, il faut de la nourriture. Alors c'est un peu le même principe que les outils, hein. Il faut aller foutre la nourriture dans les différents endroits. Alors moi j'ai que des cochons pour l'instant, de l'oie et des poules, mais voilà, il faut ramener de la nourriture sur place. Ou alors, même principe que les outils, a priori ça fonctionne aussi, vous les mettez dans le stockage, vous voyez, c'est pour ça que moi j'ai ramené. Je les ai mis tout à l'heure, je crois. Voilà, j'ai ramené ici tout bêtement. Alors, j'en ai pas des masses. Hein. Oui, j'ai même des bols. C'est cool. Hein. J'ai ramené quoi? C'est où d'ailleurs? Je vois plus. Alors, où c'est que c'est? Où c'est que c'est? Bah, alors, nourriture pour animaux, elle est partie où? Je suis pas venu. Ouais, je vois rien, moi, quoi. Alors là, faut, je la transfère. Toc. Bah, où est partie ma nourriture pour animaux? Est-ce que je me serais pas planté de coffre? C'est peut-être possible, les amis. On va aller voir ça tout de suite. Parce que j'aurais pas foutu ça dans le stockage de nourriture comme un bébête. Vous n'êtes pas obligé de dire que je suis un bébête. Bah non. Le peuple, Mori, machin. Bah, alors, qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai perdu ma nourriture pour animaux? L'autre chose? Ou alors, je suis vraiment bigleux, bigleux de chez bigleux, les amis. Alors, on y retourne. Hop, nourriture. Il n'y en a pas. Reçoit. Bah, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? Argile, 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 argile. Engrais. D'accord. Bon, qu'est-ce que j'en ai fait? Bon, faut que j'aille voir ce que j'ai foutu. Pourtant, j'en avais récupéré de mes poules. Je l'ai encore mis dans un autre coffre où je l'ai pas pris. Je vais aller voir ça. Mais voilà, le principe c'est le même. Voilà, vous mettez la nourriture ici pour les animaux et les gens qui s'occupent de vos animaux, bah c'est pareil, ils viendront piocher là-dedans pour nourrir les animaux. C'est assez important. Pourquoi c'est important? Parce que si vous ne nourrissez pas les animaux, et eh ben, vous n'aurez pas de naissance. Moi, c'est ce qui s'est passé par exemple, pour les oies, vous voyez. Moi, les oies, j'en ai toujours dans mon stockage, là, hop, si je vais sur les animaux, pof, mes oies, bah, j'en ai deux, j'en ai acheté deux, ça n'a pas bougé. Normal, en fait, je ne les nourrissais pas. Donc, forcément, elles ne pouvaient pas se reproduire. Alors, elles ne produisaient rien non plus, je suppose. Voilà, vieillissaient sûrement. Bon, en tout cas, elles ne mouraient pas. Du moins, pour l'instant, elles ne sont pas mortes. Mais voilà, c'est ce qui entraîne aussi naissance. Donc pensez bien à avoir de la nourriture aussi.
Sinon, bah, c'est pareil, les animaux ne seront peut-être pas contents, ils vont mourir. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué, compliqué. Sachez aussi que vous pouvez, vous l'avez vu, hein, vendre les animaux. Ça, on l'avait fait nous, quand on était passé de l'année dernière, enfin, de l'hiver à cet automne. Vous avez vu, ça s'était vendu automatiquement. Mais on peut le faire en direct, c'est-à-dire que maintenant, on peut passer par le bâtiment, pof, 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 pof. Et puis, au lieu d'aller dans les animaux, bah, je peux très bien aller sur le poulailler directement. J'affiche le détail, les animaux sont là, voilà, et je peux les marquer pour aller les vendre. Hein, c'est une possibilité. D'ailleurs, ils se vendent super bien là. 563. Je crois que j'avais vendu mes trucs, moi, 200 chacune. Donc là, ça a un prix. Voilà. Donc vous voyez, ça a des valeurs qui ont dû bouger aussi au niveau des objets. Tout simplement. Là-dessus. Que vous dire de plus? Mais écoutez, ça fait déjà pas mal de choses entre les bonnes et les mauvaises nouvelles. Oh, il y aura quelques petits trucs et des petites améliorations graphiques. Je vous dis, on a parlé de son, hein. Moi, je m'étais fait avoir dans certains cas. Vous avez vu, hein, les coffres ont bougé, etc. Voilà, je vous ai donné un petit peu d'explication. Je vois que le jour se lève, les gens vont sortir. Je veux pas trop leur dire, voilà, enfin, je vais surtout leur dire qu'ils ont tout le matos ici, qu'il va falloir qu'ils se démerdent et qu'ils bossent. En tout cas, ça c'est clair, ça c'est clair. Voilà, ma maison, bah, elle n'a pas avancé hein, depuis bah, hier soir, hein, puisque bah, on a fait une vidéo tout de suite. Voilà, les amis, du coup, bah, je vais clôturer là cette vidéo. Cumulé avec le reste, bah, j'irai peut-être pas au bout de la saison, mais ça me paraissait important d'essayer de vous donner le maximum d'informations bah, dans le fonctionnement de cette mise à jour. Il y a eu des petites modifs aussi. Alors, le poulailler aussi, il a bougé. Alors, j'allais vous faire voir. Moi, je sais pas s'il a vraiment bougé aussi, mais voilà, hop, vous voyez, le poulailler, c'est plus le même. Vous voyez, le sac de grain, il était en hauteur, là, c'est plus le cas du tout. Alors, ça me permettra d'ailleurs, vous voyez, j'ai plus mon sac de grain, il est là, hop, sac, je vais l'ouvrir. Ma nourriture, elle est pas là, donc je l'ai pas oublié, je suppose que je l'ai foutu. Voilà, j'ai ici une auge qui est remplie à 100%. Mais je pense que c'est parce que, ah oui, c'est parce que j'ai dû mettre ma nourriture, je pense, dans le stockage, et du coup, elle a dû se remplir automatiquement. Voilà. Il paraît qu'on a des jolies coques aussi maintenant. On verra mieux quand il sera dehors. On peut en mettre 10, je ne sais pas compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bah, effectivement, oui, t'as le nombre exact. J'ai pas été voir sur les oies combien on peut en mettre. Bon, les oies, c'est pas par là. C'est par là. Ce sera plus simple. Sinon, je sais plus où sont les choses dans mon village. Ça craint, les amis. Et bah non, c'est pas là. Bah, qu'est-ce que je fais? Bah oui, c'est pas les cochons. On va y arriver, on va y arriver. Le toc, c'est là, les oies. Hop. Alors, c'est pareil. Oui, j'ai le nombre qui correspond. Parfait. Dans le sac, j'en ai plus. Ouais, je pense que ma nourriture a été transférée directement sur les auges, à mon avis. Alors, ce qui est bizarre, parce que bah, on était la nuit. Donc, normalement, les gens ne bossent pas. Parce que, alors, si j'ai des mouvements de grève la journée qui bossent la nuit, ça va être terrible, ça. Enfin, j'inverse mes journées. Quoi. Enfin, j'inverse mes horaires. Hein. Voilà. Bon, écoutez, on va voir ça. Donc voilà les amis, les petites modifs, petites, oui je sais, les modifs intéressants. Bon, vous voyez, le jeu continue à évoluer. C'est vrai que bah, on peut se poser des questions hein, sur ce qui démarre aujourd'hui. Bah, c'est peut-être un peu plus compliqué hein, quand on découvre le jeu voilà, avec toutes ces petites restrictions. Mais bon, je pense que ça reste abordable. C'est un beau défi, c'est sympa. Voilà, moi toujours pareil, hein, je suis super content. J'aime bien quand ça évolue. Voilà, donc, et ben écoutez. On se retrouve pour une prochaine vidéo très prochainement. Voilà, en tout cas, merci à tous. N'hésitez pas, le petit pouce bleu si vous avez aimé. Et puis, si vous ne l'êtes pas et que vous souhaitez recevoir les notifications, pensez à vous abonner aussi. Allez, ciao, bye bye.